Bonjour tout le monde, c'est Madbob pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart 8. J'allais dire Mario Kart, je ne sais pas trop combien. On va tout de suite se lancer dans tout simplement toutes les DLC. Tout ça, on va aller en personnaliser parce qu'on va avoir 200 CC. Parce que c'est le genre de truc que je fais maintenant tout le temps. Parce que je n'ai plus l'habitude maintenant de faire autre chose que le 200 CC. On va prendre l'habitant avec comme ça, comme toujours. Je pense que c'était comme ça. Et on va prendre métro sur... Bon ouais, voyez avec Metro Turbo et je vais tout de suite me lancer dans la question du jour. Tout simplement, c'est la continuité de la vidéo qui était juste avant. Tout simplement par rapport à... je cherche le nom Super Smash, tout simplement, vidéo complémentaire d'aujourd'hui. Tout simplement avec la même question du jour, si vous avez vu la vidéo juste avant. Est-ce que vous voulez avoir plus de vidéos sur Mario Kart 8 et Smash de temps en temps? Tout simplement pour avoir... un peu plus que d'autres choses que tout simplement tout le temps les let's play. Et qu'il y a une vidéo par exemple qui a les let's play, que par, je sais pas, par exemple une fois par semaine, il y a une, deux vidéos par jour. Mais que ça soit juste cette journée là, qu'il y a une vidéo de Mario Kart, qu'il y a une vidéo de Splatoon, qu'il y a une vidéo de Smash, etc, etc. Pour parler un petit peu plus du jeu et compagnie. Et là, en ce moment, il y a personne. Je me sens seul au monde. Donc on va quitter... on va essayer de revenir dans le mondial, dans personnalisé, dans tout ça, 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 ça. Je pense qu'ils voulaient pas que je prenne l'habitant. L'habitant est trop OP, ils se sont dit non, on va pas le donner. Et je me retrouve encore tout seul. On va tester le 150, peut-être qu'il y a... Non, je vais pas faire ça. Je vais tester le 150 en course ici. Là, on va prendre ce que je prenais avant. Ce qui veut dire Link avec la moto, la Rapido, il me semble que je prenais ça et comme ça. Je pense que c'est ça. Ah, plus de gens tout d'un coup. Ah oui, il y a un ami qui me fait peur, hein. Celui qui est juste à côté de moi m'inspire pas vraiment confiance. On va y aller avec Rote Arc-en-Ciel. C'est triste qu'il n'y ait plus personne dans le 200cc. Peut-être qu'avec les DLC, il n'y a pas beaucoup de gens, mais... c'est triste, le 200cc, je pense qu'il va falloir que je me réhabitue au 150 parce que le 200, c'était ce que j'adorais le plus. Et là, il va falloir que je me réhabitue au 150, là, wow. Oh là là, Mad Bob, ça va tout changer dans ta tête. Donc, là, pas cette course. Le Tour de Todd, je crois, c'est ça, ouais. Il y a des gens qui viennent du Canada, des États-Unis et tous les Japonais qui n'ont pas beaucoup de points. Pour une fois, c'est étonnant. Donc... tout simplement, par rapport à la question du jour, j'aimerais juste savoir votre avis, si vous apprécierez voir d'autres vidéos de Mario Kart 8 et compagnie. Et là, ça doit faire facilement peut-être 2-3 mois que j'ai pas touché à Mario Kart, et même peut-être plus. Donc se retrouver sur ce jeu, ça fait quand même plaisir. Je veux pas dire que ce jeu c'est de la merde, hein, parce que faut quand même rejouer à des jeux parfois qu'on laisse un peu de côté pour pouvoir y retoucher et avoir quand même du plaisir à y jouer, hein, parce que c'est ça l'important des jeux vidéo, hein. C'est pas de faire des trucs qu'on se force à faire, c'est tout simplement de faire des jeux qu'on a envie de faire. Et là le boomerang aurait pu peut-être m'aider, mais finalement non. Donc on va essayer de prendre l'avantage sur la course, pas en fonçant dans les murs, ce serait peut-être sympa si je le fais pas. Mais jusqu'à maintenant j'ai trop une habitude de 200cc, c'est un truc de fou, hein. Mais bon, je vais pas me plaindre pour tout le long, ouais, 200cc c'était mieux avant, mais là maintenant c'est de la merde. Non mais c'est vraiment pas le cas, c'est pas de la merde puisque ça existe encore. Mais il va falloir que je me réhabitue juste un peu à faire certains dérapages ou certains virages en 150 comme qu'est-ce que c'était avant. Et je me pose toujours la question, est-ce que le fire hopping existe toujours? Je sais pas si ça existe encore, vous pouvez peut-être m'y répondre, c'est pas une question non plus. Qu'est-ce que j'ai perdu? Comment ça j'ai perdu un truc? J'ai pas trop compris, elle est rendue où ma carapace, mais je pense qu'elle a disparu. Ah merde, bon. J'aurais pas dû prendre la... ma pièce tout de suite. Non mais, s'il vous plaît. Vous pouvez me laisser tranquille, genre, deux... mais s'il vous plaît, laissez-moi tranquille pendant 2 secondes, c'est tout ce que je demande. Voilà, merci. J'étais premier tellement avec une avantage de ouf que là je me retrouve genre... je vais pas dire dernier parce que c'est pas vraiment le cas que je suis pas dernier, mais je me trouve quand même troisième étant premier de super vitesse. Ouais, super vitesse. On se croirait dans Beyblade super vitesse. Hein. Ok, lui il y a des carapaces. On va essayer de lui lancer dessus. Et oui, c'est réussi. Parfait. Donc là, on a l'avantage de la course. Première position. On essaie de maintenir ce cap.
Ok, je vais prendre le petit jump ici. Comme ça, je vais avoir la paix. Je vais pouvoir passer au travers de tout le monde. Hop, hop. Et voilà. Et voilà, mesdames et messieurs. Simple, simple, simple. Ok, easy, easy. Ah, en plus, le japonais avait le volant. Oh. C'est rare les gens qui jouent avec des volants. Mais y en a qui jouaient vraiment avec le volant et qui étaient genre des experts du volant. Mais moi, personnellement, ça m'intéresse vraiment pas. Donc, il n'y a aucune des courses qui m'intéresse vraiment. On va pouvoir prendre peut-être la route arc-en-ciel, elle est quand même pas si mal cette course. Enfin, les autres choix, c'était pas non plus les max. Donc, Victor nous dit salut. Donc, bonjour Victor. Si tu regardes cette vidéo, Victor, je te dis bonjour. J'espère que peut-être tu vas la regarder. Parce qu'on sait jamais, hein. Victor est peut-être un de mes abonnés qui a environ, il est quelle heure? 2 h du matin, est venu regarder tout simplement si j'étais en train de jouer. J'ai pas de Victor dans mes amis, mais Victor vient des États-Unis et de la Caroline. La Caroline. La Californie, même chose, hein. C'est la même chose. De toute façon, en Californie, Caroline, ou alors, même endroit. Même endroit aux États-Unis, hein. Essayez pas de comprendre, y a rien à comprendre. Donc, cette course. Cette course de malheur que je n'aime pas. C'est fou comment que le 150 ça ne roule pas vite. J'ai l'impression de ne pas avancer. J'ai l'impression de rouler à une vitesse supérieure. Et j'ai encore dit vitesse supérieure. Vitesse supérieure me fait grandement penser à Beyblade hyper vitesse. Hein. Je vais juste pas me recevoir sa carapace en pleine gueule, alors je vais prendre le chemin en bas. Hop. Et voilà. On va prendre ça ici. Ok, donc là, je vais juste attendre le bon moment pour lui lancer. Bon, ça tombe encore mieux. Ok, donc finalement, il a réussi à se décoller. Juste pas qu'il me lance dessus. Hein. Donc, faut juste bien lancer. Hop, voilà, là, il est obligé. Bon, il fallait que j'aie quelque chose de bien. Finalement, j'ai eu de la merde. J'aurais espéré avoir peut-être un bel item. Comme ça, j'aurais pu peut-être l'enchaîner avec une autre carapace ou un truc du genre. Mais là, il y a une bombe en avant de moi. Et comme vous pouvez voir, moi, je ne joue pas. Je savais qu'elle allait mettre la bombe derrière. Je ne joue pas au gamepad, alors je vois pas les items des autres. Personnellement, moi je trouve que c'est un avantage qu'il faudrait pas que les gens aillent. Tout simplement du. Oh, mais sérieux, je veux juste. Non mais. Oh, mais please, quoi. Il faudrait pas qu'il y ait cet avantage-là de pouvoir voir sur le gamepad les items. Je trouve que ça devrait rester à la version 3DS et c'est tout. Personnellement, c'est pas non plus. C'est du cheat ou autre. Les gens font ce qu'ils veulent, mais moi personnellement. L'utiliserai pas comme je sais pas si entre guillemets en compétition si on a le droit de l'utiliser. Je sais pas si ça compte comme étant un avantage ou un désavantage. Alors je sais pas trop. Hop, ah j'ai réussi à toucher les deux, ça c'est nice. Donc là le premier il est hyper. What? Mais qu'est-ce qu'il fait à l'autre bout du monde lui? Genre le gars est sorti de nulle part en mode bonjour, je suis à l'autre bout du monde. S'il vous plaît, vous pouvez me laisser tranquille 2 secondes. Et la dernière course, j'ai gagné facilement premier, mais là, à être premier dans cette course, je le crois pas. Hein, parce que le gars qui est premier est quasiment fini la course. Moi, je me retrouve quand même assez loin. Bon, je vais pouvoir quand même prendre le petit shortcut à la fin de la course. Je sais pas que je me fasse frapper et que je prenne rien. Voilà, troisième. Bon, c'est quand même pas si mal en troisième. Ça passe, hein. On récolte 15 points, voilà. Ok, passage feuillage, j'adore cette course. Et je pense qu'il y a Bob Lennon. Pourquoi je dis Bob Lennon quand je vais dire John Lennon? Des choses bizarres qui se passent dans ma tête. On va dire. Je ne tiens pas en place. Ah, Gordon dit que c'est sa dernière. Et moi je disais que je ne tenais pas en place vu que c'était la dernière course de Gordon. Beaucoup trop bien. Feuillage, s'il te plaît. Non, mais pas cette course de merde. Pourquoi? Ah, c'est Warriors qui est du Mexique, qui est du District fédéral. Je sais exactement c'est où. Je déconne. Je ne sais pas c'est où. Et je sais même pas si c'est qui a fini premier. Je pense que c'est Gordon, mais je suis vraiment pas trop sûr.
Ah, je pense que c'est la New Meta et Donkey. Donkey New Meta Mario Kart 8, hein. Oui, c'est Gordon, hein. Gordon utilise la méta de Mario Kart 8. C'est un pro du Mario Kart. Et il roule sur ses bitumes. Et ça va rififier le circuit, quoi. Toi aussi, utilise les fameuses phrases du Nintendo Direct de Mario Kart 8. Je ne tiens plus en place. Oh là là. Ça, c'est un grand 8. Eh oui, c'est le grand 8. Oh là là, c'est le 8. Ah, le 8. Ah, le 8. Ok, je vais arrêter, hein. Ça vient chiant à la longue. Ok, la carapace pro, j'étais supposé me frapper, mais finalement, elle a fait fuck nope. Donc ça, c'est une bonne chose. Et je reprends quand même... Bon, je dirais pas l'avantage de la course. Mais je me passe quand même en bonne position. Jusqu'à maintenant. Là, il y a le bilball, je vais l'esquiver, faire attention, hop. Un peu plus, je pensais que j'allais y foncer dessus. Hop. Bon, la bombe. Oh merde. Bon, complètement manqué. Je vais peut-être toucher le ticket, ça serait beau. Ah non. Ah non, non. Ah, mais lui. Ah non, passe à côté d'Axel. Comme dans ICDC, je crois, c'est ça son nom. Je peux peut-être dire de la merde, mais il me semble que c'est Axel. La la la. Ok, le petit tournant ici. En plus avec le bloops qui m'énerve au plus haut point. On essaie de faire avec. Bon, là je vais essayer de rester deuxième vu que Gordon garde sa banane. Gordon garde la banane parce que c'est un singe. Alors il faut garder le principe que les singes gardent des bananes. Des choses qui arrivent. Hein. Donc, fini deuxième, je devrais gagner 20 points. Ouais, voilà, 19. Parfait. Parfait comme ça. On va pas cracher dessus. 19 points, on va monter dans l'échelle de Mario Kart 8. Et quand on va se rendre en haut de l'échelle de Mario Kart 8, on va pouvoir faire des chocs à pic. Je déconne, c'est pas vrai non plus. Ah, X-Men dit salut. Moi je dis salut et je dis que je joue au gyroscope. C'est bien. Comment se faire des amis? Tu joues au gyroscope. Ok, tout le monde dit salut. Allez, moi aussi je vais dire salut. Salut, salut. Ah, Gordon va vraiment partir. Je suis triste. Je l'aimais bien, Gordon. C'était mon ami de toujours. Et il avait choisi en plus le même niveau que moi. Il quitte. Ah, il y a Manon de la France. Bonjour Manon. Tu viens de Provence, Alpes, Côte d'Azur. Il pouvait pas rapetisser ça à genre Azur. Ça aurait été tellement mieux. Comme aller les bleus, mais là ce serait aller les azurs. Voilà. Ah, Gordon existe toujours. Gordon est toujours vivant. Gordon veut toujours gagner. Un jour, Gordon m'a dit. Un jour, tu deviendras un homme libre. Vous comprenez? Gordon Freeman. Ah ah. Bob, trop fort. Jeu de mots. LOL. MDR. Bref. On va finir cela parce que je pense que je m'échappe un petit peu trop du droit chemin. Ok, j'ai réussi à esquiver ça. Je sais vraiment pas trop comment que j'ai fait. Et là, je pensais... J'étais sûr d'avoir la carapace rouge, mais finalement je l'ai même pas eu. Je comprends pas pourquoi. Là je l'ai eu. Tantôt je pensais pas l'avoir et là je l'ai. Hein. Vous pouvez m'expliquer la logique des jeux vidéo en 200 lignes, s'il vous plaît. Je vous donne l'option de le faire tout de suite. Parce que vous avez le temps pendant la vidéo de le faire. Oh, j'ai réussi à esquiver cette bombe. Et j'ai pas de pièces. Pas de pièces, pas de chocolat. Hein. Ok, on va essayer de remonter, hein, parce que c'est tout ce qu'on peut faire dans le jeu. C'est remonter, hein, toujours. Ok, on enchaîne ça, hop. Trois carapaces. C'est bien ça. Ok, voir que je me suis fait toucher par une d'entre elles. Et tu verras qu'on n'est pas tout seul. Et bien plus encore. Ok, c'est vraiment serré pour la troisième place, tandis que pour la première et la deuxième, sont vraiment en mode je m'en bats les couilles de où qu'on est sur la map. Et moi je sais plus comment conduire des véhicules de type récréatif. Ok, mais casse-toi avec tes carapaces vertes. En plus, t'en avais d'autres. What the fuck?
Le mec il sort des carapaces vertes de son sac à carapace, hein. Je comprends ça, hein. Merde, les trois champis dans cette map, faut que tu les occupes de l'autre côté. Et là, je sais plus ce que je fais, hein. Je suis en mode please be Mewtwo. Bon, cette course que je vais finir dans le néant. Ouais, vraiment dans le néant. Malheureusement. Ah non, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas finalement. Le néant n'est peut-être pas si loin que ça. Troisième. En arrière de Gordon. Comme d'hab. Hein. Donc bon, Gordon, notre ami de toujours, va-t-il nous quitter maintenant? Ou va-t-il rester notre ami de toujours? Parce que vous savez, vous, je sais plus comment parler. Oh, Park Bibi! Park Bibi! Je pense que Gordon est vraiment parti, ouais. Versons une larme pour Gordon. Pendant que Victor n'est pas d'accord. Gordon, le dernier des Gordon. Ah! Ah, il y avait la course ruban, je l'ai même pas pris. Donc il y a une personne des États-Unis, il y a une personne du Mexique, une personne du Canada, une personne de la France. Waouh! Nous sommes choyés. Pendant que je sonne du klaxon. Voilà, bon. Park Bibi, c'est parti. Cette course du chaos. Surtout en 250cc. 250cc, waouh! 250cc, ce serait un petit peu trop anarchique à mon goût. Hein. Dré, dré. Je lui ai lancé une carapace. Oh, le klaxon. Je l'attends tellement pour bien le placer. Voilà. Donc on place bien. Oh, le son a complètement... Ah, il est revenu. J'avais l'impression que le son était parti. En promenade, en balade. En mode OZEF du son. Ça sert à rien, le son. Le son dans les jeux vidéo, non. Je connais pas ce concept. Vous connaissez le concept du son dans les jeux vidéo? Parce que moi, je le connais pas. Oh, la banane qui va sauver tout le monde. Ok, la banane qui a pas touché. J'ai pas trop compris. Mais elle va mettre la banane et elle va me toucher, c'est ça. Et le tournant de merde. Je pensais que c'était le dernier tour, mais non. Hein, il nous en reste quand même beaucoup. Ok, mais je peux arrêter d'avoir des bananes, please. Oh, le klaxon. Oh oui, le klaxon. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ouais, le son, il part tellement cool dans cette course. Parce que normalement, vous comprenez. Non, vous êtes pas sérieux qu'il y a ça plus ça. Moi, ça a touché Manon, hein. Mais je me fais rattraper en position. Oh oui, oh oui, oui, peut-être. Peut-être, on y croit. On y croit. Peut-être, toujours. On y croit, peut-être. Non. Tout ça à cause d'une carapace bleue, hein. C'est de la merde. Je suis déçu. Déçu et choqué. Bon, je vais faire une dernière course et après je vais vous laisser là-dessus. Tout simplement parce que toute bonne chose a une fin. Route ruban ou route du dragon? On va aller avec route du dragon. Tout simplement parce que j'aime bien la musique. Et on va choisir les maps selon la musique. Voilà, j'ai décidé. Donc, route dragon, ok, c'est pas mal le route dragon. Voilà, route dragon, merci. En plus, j'en avais beaucoup assez parlé que ça ressemblait beaucoup cette course à un niveau de Sonic. À la Dragon's Road, avec cette belle accent English que j'ai. Merci, bonsoir, c'est correct, l'eau. Je sais pas pourquoi j'ai changé en accent québécois tout d'un coup, mais bon, c'est pas grave. Parti, parti! Ah, j'ai oublié comment les musiques de Mario Kart 8 étaient si jolies. Faudrait que je m'y porte plus attention dans les prochains jours à venir. Je sais pas pourquoi je dis ça, ça n'a aucun sens. Voilà, les prochains jours à venir, selon la tendance mondiale de la participation des gens de la participation. Ouais, c'est ça. Non, je vais arrêter de parler. Je vais arrêter de parler et me concentrer. Hein. Cinquième, pas une belle position. Hein. Hop. Et de toute façon, on y croit peut-être, mais peut-être que MT un jour
va comprendre que son challenge, tout simplement, de tournoi et tout ça et compagnie, serait bien de le faire. Hein. Vous pouvez lui envoyer cette vidéo, lui faire que je lui dise un beau petit coucou. Coucou MT en passant. Si tu veux faire ton tournoi de Mario Kart, je me pratique, tu vois, en ce moment. C'est exactement ce que je fais. Donc, si tu vois cette vidéo, ben, bonjour à toi. En espérant que tu sois prêt quand que le défi sera lancé. Parce que moi, je suis prêt à perdre. Tout ce que j'ai à dire. Voilà. Donc, ceci étant fait, maintenant, je peux me concentrer à essayer de battre la petite Rosalina qui est à l'autre bout du monde. Et là, je vais juste me bloquer. Vite, 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 vite. Et j'avais rien pour bloquer finalement. C'est un peu triste. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve dans Mario Kart 8. C'est que la plupart du temps, quand on est deuxième et que le premier est à l'autre bout du monde, c'est nous qui nous font canarder, mais de trucs de ouf. Que normalement, ce serait le premier qui devrait tout avoir dans la gueule. Mais là, c'est nous qui reçoit tout. Et c'est ce qui m'énerve le plus. En gros, dès que t'es pas en première position. Dès que t'as pas la paix en première position, c'est là que tu prends tout en pleine gueule. Et tu te demandes pourquoi. Et là tu te dis, ah oui c'est vrai, parce que le premier est à l'autre bout du monde. Ah ouais, le premier, il vient de se planter. Oh. Ça peut être intéressant. J'ai pas trop compris la figure que j'ai faite. Oh, il y a vraiment une carapace rouge là en première position. Vous êtes sérieux? Vous voulez que je fasse quoi? Oh merde! Oh merde! Oh merde, oh, elle aurait été un petit peu plus avant et j'aurais été parfait pour passer deuxième. Et le premier, je veux dire. Bon, c'est pas grave. On va finir sur une deuxième position. On a quand même pas perdu de points depuis le début. Donc, on va finir cette vidéo ici. N'oubliez pas de répondre à la question du jour, ce serait vraiment sympa. J'aimerais ça avoir un max de commentaires. Je sais que j'arrive à la fin de la vidéo et la plupart du temps, les gens peut-être regardent pas jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, je voudrais juste avoir un petit avis sympa de savoir si vous voulez avoir des vidéos comme ça, comme je vous ai expliqué. Que pendant une semaine de let's play, qu'il y a eu des fois des petites vidéos qui sortent en peut-être pas en double, mais qu'il y a eu une journée qui a eu deux vidéos, donc une vidéo de let's play et une vidéo juste à part comme ça. Donc dites-moi, faites-moi part dans les commentaires. Donc merci tout le monde, n'oubliez pas de laisser un petit pouce vert, c'est toujours aussi sympa. Si vous voulez voir plus de vidéos aussi de Mario Kart 8, voyez de Smash. Splatoon devrait arriver aussi ensuite si vous êtes si vous appréciez l'idée de tout simplement le format de vidéo que je vais vous offrir. Donc salut tout le monde et à la prochaine.